Bon, bah on n'est pas dans la merde, hein. Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 9e épisode de Tomb Raider 2, où nous sommes, comme vous le voyez, par 40 brasses de fond. C'est le nom du niveau, hein, j'invente rien. Nous sommes par 40 brasses de fond, il y a des requins autour de nous. Tiens, là-bas, il y en a un petit, donc on va s'écarter quand même. Faut pas déconner. Donc, nous sommes par 40 brasses de fond. Alors, faut connaître un peu le niveau au début pour pouvoir le gérer correctement. Je vous cache pas que... Je vous cache pas que le début de ce niveau est plutôt dur. Faut vraiment savoir où aller. Donc en l'occurrence, bon, c'est assez marqué quand même. Faut passer derrière l'ancre ici pour accéder à un tunnel. Tunnel qui te mène ici où tu peux enfin respirer. Alors l'objectif, c'est évidemment de, eh bien, de trouver le secret de Gianni, le Séraphe, hein, qui est dans le, eh bien, qui est dans le bateau de Gianni Bartelli. C'est le bateau dans lequel on est, hein, pour ceux qui se posent les questions. Putain, je me suis trompé. En fait, faut vraiment le connaître par cœur ce niveau pour bien le gérer. C'est un truc de fou. Bon, le début de ce niveau en tout cas. Mais ça va, je l'ai tellement refait à force de mourir que... Vous vous en doutez, c'est pas le niveau que j'adore. Vous savez que l'eau est bah, l'élément que je déteste le plus. Non, toi tu mourras pas. Surtout quand il y a des requins dedans. Tout ce qui est aquatique, j'aime pas forcément donc. Hop, on va avancer un peu plus. Je sais où faut aller, donc c'est bon. Hop là, désolé, excusez-moi, petit message. J'aurais dû éteindre mon téléphone, je l'ai pas fait. Voilà, désolé. Bon, alors, du coup, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a du monde ici? Je crois que non. Non, il y a personne. Bon, on s'en est sorti pour l'instant, bien entendu, de l'eau, sans prendre aucun dégât par les requins. C'est peut-être bien la première fois que ça m'arrive, à force de l'habitude. Bon, alors... je vous explique pas trop ce que je fais pour l'instant, parce que c'est pas trop nécessaire, mais bon voilà donc. Très heureux de vous retrouver en tout cas aujourd'hui pour ce niveau un peu stress, vous l'entendez? Il y a des battements de cœur, oui. Non, ce n'est pas le bateau qui vit, hein, pour ceux qui se poseraient la question d'un quelconque monstre. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de boss à proprement parler dans cette zone. Donc ça va. Donc voilà, on va passer, je crois, 4 niveaux dans la zone du bateau. Hein. Parce que on est sur le bateau de Gianni Bartelli, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même parce que ça coûte rien. Alors, ici, il n'y a encore personne. Alors, il y a le dragon. Sauf qu'il faut pas marcher au centre de la salle parce que sinon, bah, on se retrouve à l'étage inférieur. En prenant des dégâts en plus, parce que oui, faut pas déconner non plus. Donc, du coup, ce qu'on va faire. C'est qu'on va... Alors il va arriver de là le mec. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Ok, donc ça c'est bon, on l'a eu. Pas trop de soucis. Mais il y a des mecs en dessous, vous les entendez, hein. Alors faut faire gaffe parce que bon, les trappes elles se voient, mais... Faut quand même éviter de déconner. Bien, ça nous fait déjà un secret. Alors pourquoi c'est un secret? Parce que tout simplement il est dalle au milieu et que le premier des abrutis qui regarde pas ce qu'il fait se fait avoir. Bien. Ceci étant fait, les amis, on va pouvoir descendre armé de nos pistolets automatiques parce que je vais pas tout utiliser non plus et je sais ce qui est en bas, c'est pas trop dangereux de mémoire. Donc au niveau des ennemis, hein, je parle, évidemment. What? Oh non, sérieux, j'ai tellement pas eu de chance. Mais alors, j'ai tellement pas eu de chance, je suis tombé sur la seule dalle qui t'inflige énormément de dégâts. Et j'ai pas sauvegardé. Que voulez-vous, redémarrer à niveau, hein? Ah, je rage. Bon, bah une de plus au compteur de mort, je sais pas du tout à combien on en est. J'ai pas fait tous mes montages, donc je peux pas vous le dire. Hop, là on est reparti. Bon, alors l'astuce, hein, si vous voulez jouer au jeu et que vous connaissez pas, faut suivre les tonneaux. Voilà. Vous cherchez, dès que vous voyez des tonneaux, bah c'est là. Tout simplement. Pas chercher plus loin. Non, par contre, toi, mon gros. Putain, évidemment, je remonte, mais quel connard je suis, quoi. Il m'a anticipé. Bon, du coup, j'ai perdu énormément de vie. Putain, on avait fait un départ parfait, ça me saoule. Oh, j'ai tellement pas eu de chance. Vous allez voir que je refais la même, hein, de toute façon. Ça c'est sûr et certain, je suis parti trop loin. Ça suffira.
Ah, oh, ça me saoule. Franchement, ça me saoule de faire le départ parfait sans perdre un seul pet de vie. Après, bon, je me prends une balle par le mec, mais bon, c'est quasi inévitable quand même. Pas déconner. Le mec, il est à bout portant, qu'il soit avec un flingue ou un fusil à pompe, il m'a tous les jours. Et là, putain, on se retrouve mais tellement mal pour le coup. Avec déjà midlife, mais en même temps, bon, c'est un requin, c'est réaliste. Normalement, tu meurs du premier coup. Oui, monsieur. Alors, par contre. Voilà, t'es gentil. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Bien. Retournons sous l'eau et allons. Eh bien, chercher ce levier, comme d'hab. Hein. Je pense que. J'aurais dû sauvegarder en arrivant ici. J'aurais dû faire genre, oui, c'était une très dure partie. Voilà. Je l'ai super bien géré. Mais bon, je peux pas vous flouer maintenant. Bon. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Je tiens à préciser dans le let's play, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours fait des sauvegardes de façon judicieuse et pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Mais là, vu que ça prend pas beaucoup de temps de revenir, bon, en soi, je pouvais le faire. Bon. Alors, on est de retour ici. Je pense que ce jeu, pour le faire en vidéo, faut vraiment que tu l'aies fait déjà avant. Parce qu'il y a plein de trucs, genre le 1, tu peux le faire sans savoir. Ce niveau-là, putain, si tu sais pas, tu passes des heures à mourir sur les. Sur les. Comment ça s'appelle? Sur les requins et sur la flotte au début, hein, pour chercher les tonneaux. On est d'accord là-dessus, les gars. Ok, donc toi t'es mort. C'est bon. Heureusement que les UD c'est super efficace, quoi. C'est vraiment l'arme de Dieu, ce truc. Bien. Ceci étant fait, cette fois-ci on ne se trompera pas. Quoi qu'on ne se trompera pas. Attendez, attendez, attendez. Que je ne me trompe véritablement pas. On est d'accord que. Bon, alors attendez, j'ai combien de vie déjà? Ça va, j'ai assez de vie. On est d'accord que c'est celle-là. Bon. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Il y a un autre mec! Je t'entends, mec! C'est une blague. Ça, il est où? C'est quoi cette. Ok, ça va. On s'en est débarrassé facilement. Bon, alors lui nous laisse des flèches pour harpon, c'est logique. Il était armé d'un fusil à pompe, hein. Bah oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas logique? Le mec. Bon. Bon, du coup, on s'en sort pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. J'en suis à combien de vie? Ça aurait pu être mieux aussi. Ça aurait pu être mieux. Bon. Ça aurait pu être pire! Qu'est-ce que vous voulez? Pas de bol, t'as pas de bol. Putain, franchement. Le truc, il est à la surface de l'eau, quoi, tu sais. En plus, je suis tombé juste au bord du truc, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de se faire voir comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux? Lucette, hein. C'est comme ça. Alors. Déjà, ce qu'on va faire, étant ça. Boum. On s'accroche. Ensuite. On va se rendre ici. Ouh, mais je m'en souviens. Par contre, le bruit, c'est un peu chiant quand même. À moitié, hein, bien sûr, mais un peu chiant quand même. Ah oui, et le deuxième secret ici. Alors attendez. Déjà, premièrement, sauvegarde. Parce que, bon, faut pas déconner non plus, j'ai pas envie de tout me retaper non plus. Hein. On l'a pris le secret là-haut. Oui, on l'a pris. On l'a pris. On va dire qu'on l'a pris. Donc on a pris le secret là-haut. Maintenant, il va falloir qu'on. On active ce petit levier. Qu'on se dépêche. Parce qu'évidemment, c'est pour un secret. Hop. Y a du requin là-dedans, je tiens à préciser. Au moins du barracuda, je crois, un truc comme ça. Des barracudas. C'est des barracudas. Oh, combien y a de secrets comme ça dans ce. Dans l'épave? Oh! Oh, cette chance que ce soit des stupides, quoi! Oh, cette chance de ouf! J'ai une chance, mais j'ai un cul bordé de nouilles! On va dire ça comme ça. Pour être poli. Oui, parce que le cul, c'est poli, hein, bien entendu. Bien! Ceci étant fait, ne prenons pas de risques. Et prenons plutôt nos armes. LOL! C'était très drôle. J'ai bien aimé. Bon, on a deux secrets.
On a deux secrets. Vous n'aviez pas entendu, nous avons deux secrets, les gars. C'est bon, vous avez entendu? Bien. Ah oui, c'est vrai. Faut désactiver les flammes une par une, parce que oui, sinon c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quel handicapé, sérieux. Bon. Alors, dans un premier temps, ici, nous avons une entrée secrète avec un petit levier qui ouvre une autre porte qui, j'imagine, est chronométrée et que je ne sais pas où elle est. Bien. C'est pas grave, on va trouver. Je crois que c'est par là. J'en suis pas sûr. Je crois que c'est cette porte-là. Alors oui, si je pouvais... Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Elle est peut-être pas chrono, en fait. C'est peut-être pas cette porte qui est chrono. Oh, attendez. Oui, alors, faut vite se dépêcher, par contre. Ça, je m'en souviens. J'avais brûlé comme une merde. La dernière fois où je l'ai joué. Oh non, pas le lag. Pas monsieur lag. Je vais me faire tuer. Mais le lag, sérieux. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ça lag? On est sur Tomb Raider, les gars. On n'est pas sur, sur Watch Dogs ou je sais pas quoi. Mais non, mais attendez, attendez, attendez. Je vais pas jouer en 2 FPS, faut pas déconner. C'est quoi ce délire? Mais attendez, mais ça m'a jamais fait ça avant. Ça, c'est le putain de Windows 10 que j'ai installé avant, tu sais. Et que j'ai dû désinstaller parce que faut pas déconner, c'est de la merde. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Que dalle! Que dalle! Graphisme. Appliqué. Mais pourquoi ça lag autant? Attendez, on termine cette phase parce que c'est une phase rapide. C'est une phase rapide, je veux dire. Putain, c'est irregardable. Même moi, je peux pas le regarder. Alors, c'est pour vous dire, moi qui suis habitué aux 2 FPS, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Défaut. Appliqué. Appliqué. Essayons comme ça. Ça a l'air déjà un peu mieux. Et là, ça va se réactiver du coup. Je reste ici, genre quelques secondes, et puis. Vous savez quoi? On va aller activer le levier là-bas, et puis on va voir si ça se réactive. Attendez, un truc que je vais vérifier d'abord. Il y a quand même un levier là-bas, mais un levier safe. Donc c'est bien cette porte qui l'ouvre. On va voir. On va voir si le feu se réactive. Mais à mon avis, s'ils ont foutu un levier safe, c'est que le feu se réactive. Ouais. Le feu se réactive. Ouais, d'accord. Bon, ça a servi complètement à rien ce que je viens de faire. Bah si, enfin les portes sont pas refermées. Attendez. Enfin sauf si les portes sont fermées, ça n'a pas servi à rien. Évidemment. Ça peut pas marcher dans cet ordre-là, on est d'accord. Ça marchera dans l'autre ordre. J'espère. Après, j'avais pas mal attendu, donc... Donc on va voir.
Oh non, sérieux les gars. Me la faites pas à moi, s'il vous plaît. Genre, t'es pas capable de marcher dessus, tu marches sur des marches. C'est pas de l'électricité quand même. On va pas y arriver, je vous jure. Déjà que ça lag à profusion, alors. Oui. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, les gars. Moi, je vous le dis, ça va le faire. On est passé. On est passé. Bon. On a passé cette salle-là et en plus, pas de justesse, mais bon, on n'était pas loin quand même. Hein. Bon. Alors, on va prendre les petits pistolets automatiques parce qu'on est sympa, voilà. Ah, mais c'est qu'il va y avoir du monde dans ce bassin. Du coup, ça veut dire pistolet. Il y a un barracuda, je crois, dans ce bassin. Ouais. Déconne pas frère, déconne pas, déconne pas. Putain. Putain, j'ai tellement mal géré, mais... Pff, Arthur, quoi, c'est dingue. C'est pas parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué, oui, parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué, qu'il faut que je fasse ça, quoi. C'était... Oh, putain. Merde. Attendez. Oh, j'ai cru que c'était refermé. Ok, ouais, je me rappelle. C'est un truc vraiment très chaud. Sauvegarde. Parce qu'on vient de passer un truc chaud dans le sens propre du terme, donc... C'est pas que je préfère le feu, mais bon, quand même. Justement, je préfère pas le feu, hein, pour ceux qui... C'est du sarcasme. Alors... Ok, il est où le levier? Il est où le magnéo? Il est là. Ça faut le savoir hein, quand même hein, qu'il est là le levier. Hein. Oh, je déteste ces salles-là comme ça. Après il va falloir tout remonter. Et elle se crée à la droite. Il y a le secret à droite, mais on ira le rechercher après, les gars. Parce que sinon, je vais mourir. Pas comme ça. Pas noyé. Bon, allez, on y retourne. On y retourne. Allez, on va récupérer le secret, du coup. Oui, parce que tu peux le récupérer après, hein, tant que tu y es. Voilà, donc on a les trois secrets de ce niveau, c'est parfait. Allez, on remonte, j'ai pas envie de vous faire noyer. Vous savez que c'est ma... Putain, il y a des barracudas de merde. Il y a des barracudas de mes couilles. Allez. Mais non. Résiste. Résiste. Oui. On y est. Bon. Ça c'est fait. On est où là? On est là. Oh putain. Oh j'ai flippé. Je vous assure j'ai flippé. Je me suis dit qu'on était mort. Vraiment, parce que là pour le coup, bah encore une fois on était à zéro point de vie. Il y a des mecs. Quand il y a cette musique là, tu sais, la petite musique italienne, Bartoli, tout ça, c'est fini, il y a des mecs, c'est forcément il y a des mecs. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va les ranger d'abord quand même, on est pas con. Donc ça doit être le rocher qui est... Ah, peut-être pas à cette profondeur, remarque. Je raconte sûrement une connerie. Je connais pas bien l'histoire de ce bateau, hein. C'est pas les niveaux que je préfère. Évidemment, c'est dans l'eau. Je suis pas maso non plus. Hein. Je rappelle que l'eau, c'est l'élément que je déteste. Donc par définition, c'est pas le truc que je vais faire. Genre beaucoup, hein. Est-ce que là, ça passe, à votre avis? Évidemment que non, ça ne passe pas, c'est une pente, Arthur. Le principe même du jeu, c'est que quand t'es sur une pente, tu n'as pas la capacité de t'accrocher. Alors, du coup... On peut grimper là, mais à mon avis, on tombe. Oui.
On tombe beaucoup même. Bien. C'est une énigme assez chiante, assez chiante à résoudre, assez chiante à comprendre aussi. C'était mal joué de ma part, ça. C'est pas grave, je ne suis pas mort. Donc ça passe. Ça passe. Tant que je suis pas mort, ça passe, on va dire. Bon, tout que je perds pas de vie non plus. Hein. Je fais pas confiance. Toujours du monde dans ce genre de coin. Bon, quoi qu'il en soit, on a. Alors ici, c'est après qu'il faut y aller. De mémoire. Ah, ça se remet à laguer un peu. C'est pas grave, on aime bien le lag. C'est un peu le symbole de cette série, la mascotte de cette série, je dirais même. Ouais. Putain. Je sais pas ce que c'est que. Ce qui, enfin, ce qui se passe avec ce PC, quoi. Sachez que je me le demande quand même tous les jours. Alors, excusez-moi, hein, je vais faire mon. Je ne parlerai pas de communauté ni quoi que ce soit. Mais je vais faire le mec un peu. Un peu débrouillard, voilà. Employons des bons termes, un peu. Valorisons-nous face à ce PC qui est un peu chiant, avouons-le quand même, hein. Je pense qu'on peut le dire, je crois. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce PC ça aère mieux? Parce que à tous les coups, c'est l'aération. Tu sais, c'est toujours. Quand un truc va pas, en fait, c'est toujours ton aération sur ton PC. C'est toujours ça. Cherche pas. C'est ça. C'est juste ça. On va voir. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça n'a pas retiré le lag. Hein. Ça va pas faire effet immédiat non plus. Faut pas déconner. Bien. Alors, ça passe ici. Je pense que c'est comme ça, même si ça m'a l'air un peu. Ouais, c'est comme ça, c'est bon. Ça m'a l'air rien du tout. Par contre, là, il va y avoir du monde, de mémoire. Autant que je me souvienne, il va y avoir du monde. Ok, ça veut dire que ça commence vraiment à laguer en fait. C'est pas grave, on aime le lag. Je vous l'ai dit, le lag, c'est mon copain. C'est mon ami. Mon ami, le lag. Qu'est-ce qu'on a par ici? What? The fuck? What the fuck? C'est pas là. Je vous avais dit que cette énigme serait chiante parce que ça, je m'en souviens, j'ai mis des heures à comprendre. Avant d'aller chercher mon livre de Solus aussi, hein, je vous avoue. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que j'ai le livre de Solus de 96, 97 en l'occurrence. Oh, j'ai vu des ombres, je me suis dit non. Ça va, c'est bien du décor, mais pas le décor qu'on pense avec des flingues en fait. Pas le même décor. Est-ce qu'on peut encore plus descendre? Ça, c'est ma question. On ne peut pas encore plus descendre. Quoique, attendez, attendez, attendez. Attendez, il doit y avoir un moyen de faire quelque chose. On va descendre par là. Est-ce qu'on peut passer en face? C'est une grande question à laquelle j'aimerais répondre. Parce que moi, je pense que c'est pour après, ça. Mais non, c'est pas pour après. S'il y a une caisse que tu peux tirer, Arthur, c'est que c'est pas pour après. Ah, voyons. Un chenapan. Bon. Je sais pas ce que j'ai là ce soir. Mais ouais. Du coup, on va tirer cette caisse, on va monter, on va aller voir ce qu'il y a. Il y a des gens qui vont faire boum boum. Moi, je vais faire boum boum. On va entendre. Ah. Et voilà. En gros, c'est ça qui va se passer. À peu près. Il y a un truc. Il y a rien du tout. Putain, je devrais mettre une citation dans ce que je viens de dire. Genre. Oh putain! Sérieusement? What? What, les gars? Oh, ça, je m'en souvenais plus! C'est génial! On vient de faire péter le bateau une deuxième fois! C'est trop cool! Mais oui! Mais ouais! Oh, mais ouais! Oh, c'est bien, Lara, c'est bien! Je t'apprécie beaucoup. Je tiens à le dire. Je t'apprécie beaucoup. J'ai vu un truc en transparence comme s'il y avait des mecs en haut. Comme si, hein. On va faire comme si on n'avait pas, mais comme s'il y avait des mecs en haut quand même. Je tiens à le préciser. Bien. On peut pas passer là. On peut pas passer là. Est-ce qu'on peut passer là? On peut passer là. Bah bien sûr. Ben oui, monsieur. On peut passer là. Alors là, du coup, normalement, ça devrait un peu nous aider à atteindre la trappe qu'on vient de voir là-haut, furtivement. Je ne repasserai pas l'image parce que de toute façon, on y va dans quelques secondes. Mais on l'a vu furtive. What? Elle a pas rebondi contre le mur. D'habitude, elle rebondit, tu sais, contre le mur, genre. Waouh.
suis la rat et je rebondis contre les murs. J'avais rien d'autre à dire. Franchement, je... J'aurais voulu faire un commentaire sur ce que je... Et je le fais deux fois en plus. Je le fais deux fois. Mais... Le pire, c'est que je me tais, tu sais, genre... Bon, j'ai fait une erreur, je vais me la fermer. Et je le fais deux fois, putain! Ah! Et j'ai pas sauvegardé en plus, je crois. Après le secret. On s'est arrêté aux flammes. Certes, mais j'ai déjà tué le Barracuda. Donc, c'est déjà une chose de gagner. Attendez, je vais peut-être même ne pas avoir besoin de la trousse de soins pour revenir au point exceptionnel de vie où on en était. Après tout, c'est peut-être ça gagner, hein. Si je pouvais, voilà, aller choper ça. Oh, c'est gentil. Tu sais faire des leviers, la race, c'est bien. Non, franchement, je me sens très très con. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Le pire, c'est que je le fais deux fois, tu sais. Genre, je commence à me foutre de ma propre gueule en me la fermant. Et puis, je réussis quand même à me fail une deuxième fois, tu sais. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Ça, on commande pas ça. Par contre, elle va mourir noyée, là. Bon. Alors, première chose à faire. On tue les barracudas. Les barracudas viennent quand tu as le secret. Ah, d'accord. Bon, on va la jouer legit. On va prendre la petite trousse de secours. On va plonger à l'eau. Waouh. Je me sens tellement bête des fois. Mais tellement bête. Et je suis là de moi. Mais tellement là. Genre là, LAS, hein, pour ceux qui se demandent. Putain, saloperie de barracuda de mes couilles. Saloperie de barracuda de mes couilles bis. Je vais pas aller vous tuer, ça, croyez pas. Bien. Il y avait rien, on le sait qu'il y a rien. Pourquoi je prends mes armes? Je sais qu'il y a rien. On le sait tous. Je m'en fous, je reviens au point où j'en étais. Je reviens au point où j'en étais et je m'arrête parce que... Ça m'a saoulé cette fin d'épisode, ça m'a saoulé! On faisait un bon épisode, on a les trois secrets, et j'arrive à me fail deux fois. On a même fait exploser le navire, les gars, sur une scène d'anthologie qu'on n'a pas vue. Il y en aura d'autres, des scènes d'anthologie qu'on verra, ne vous inquiétez pas. Mais, quand même! Avec des musiques stylées. Revenez, si vous voulez voir des musiques stylées, revenez pour le niveau 12. Là, il y aura la musique stylée de ce jeu. Qui est même utilisé pour le générique. Je crois que c'est une des seules musiques vraiment stylées qu'a fait Tomb Raider. Là, pour les musiques, franchement, je peux les blâmer. Ils sont pas forcément super bons. Même s'ils ont fait des thèmes légendaires, c'est pas des musiques d'action quoi qu'ils nous ont fait. Il y a des musiques qui font stresser, bon, c'est un peu le but. Quand t'es face à des T-Rex, etc., dans le 1, où t'as la superbe musique. Waouh. Ma surprise était totale. Non, je vous avoue que la première fois j'ai eu peur. Je m'en souvenais plus qu'elle faisait exploser le navire. Elle fait tout exploser en fait dans ce. Je pense qu'ils ont trouvé le moyen de faire des explosions. Tu sais, ils se sont dit, ah waouh, on sait faire des tremblements d'écran. Donc, on va les utiliser à fond. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait plein d'explosions. Genre, on explose la cage de Bartoli, puis t'exploses, je sais plus quoi d'autre. Etc. Oui, monsieur, t'en as pour ton compte. Des explosions. En même temps, on bosse avec la mafia, les gars, je veux pas dire. Mais quand tu bosses avec la mafia, c'est normal qu'il y ait un peu, je dis bien, d'explosions. S'il n'y avait pas d'explosion, on pourrait pas dire qu'on est en train de bosser contre la mafia, je sais pas.
Donnez-moi votre avis, mais... Bon, pff, vous savez quoi? On se retrouvera la prochaine fois au même point, parce que... Je vous fais une ellipse et puis on se retrouve au même point et puis j'arrête l'épisode. Parce que bon. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Ça me saoule! Pourquoi elle se rattrape pas? C'est pas de ma faute là! Elle est censée pouvoir se rattraper, elle en a attrapé plein des pentes comme ça. Faut arrêter de déconner un moment. Ok, j'ai fail, j'ai fail, j'ai fail, j'ai fail, j'ai fail. Je vais y retourner avec vous. Parce que ça me saoule. Je vous le dis, ça me saoule. J'ai même pas envie de faire une hélice sur cette épée. Putain, mais pourquoi je me fail comme ça en plus? Je suis tellement énervé que j'arrive à me fail comme une merde. Bon. Attends, on va le connaître par cœur cet endroit, la force. Je sais que le levier, il est là. Voilà, juste en dessous de la trappe. Je sais aussi que c'est pas le levier de la trappe. Je sais aussi comment me retourner sous l'eau, donc ça va. On va assez vite. Hop, on sait qu'il faut aller là. On va prendre le dragon au passage parce qu'on a plein d'oxygène et qu'on est des fous. Et on y va! Allez! On va éviter de mourir par les barracudas, ça me plaira plus quand même. Et ça vous plaira plus quand même que de voir un épisode failesque où je n'arrête pas de mourir. Ça me saoule! Je vous le dis, ça me saoule! Ça m'a énervé. J'en peux plus. J'en peux plus, cet épisode m'a saoulé à mourir deux fois par le même piège à con, tu sais. Mais surtout que la première fois, je veux bien, j'ai fait le con, etc. On avait perdu de la vie la première fois. Je crois pas, non? Bon, tant pis. Surtout que la première fois, bon, le piège à con, ok, ça passe. Mais la deuxième fois, je suis pas censé mourir. Enfin, elle se rattrape, merde. Elle s'est crochetée un truc qui est incliné à 10 degrés quand même. Enfin, j'espère. T'es pas con à ce point, Lara. Non, parce que bon, si t'es con à ce point, faut le dire. Hein. Faut pas... Pas te cacher, tu sais, on t'en voudra pas. Enfin, quand même un peu. Hein, faut pas déconner. Bon, quoi qu'il en soit, mon coup de gueule est passé. On va quand même retourner au point où on voulait aller. Et puis on s'arrêtera là. Parce que faut pas déconner. Genre, je vais passer le point que je voulais. Genre, waouh, préparez-vous, grande surprise à venir. Lara fait exploser le bateau. Oh yeah, voilà. Donc, on a fait exploser le bateau, très bien. On s'en revient de Nantes. Non, pas du tout. La digue, la digue. Pour ceux qui connaissent, hein. Référence. En revenant de Nantes, la digue, la digue. En revenant de Nantes, la digue du cul. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas. Chanter les chansons paillardes avec Arthur. Toutes les chansons paillardes. Tous les tubes, tous les albums avec Arthur. Oh oui. Oui! Oh! Tu sais attraper! Eh oui, c'était là bon. C'est juste que j'étais pas passé par la bonne échelle. Bon. Bah les amis, vous savez quoi? Attendez, déjà, première chose. Alors oui. Exactement ce que je voulais faire en fait. Mais non mais! Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? C'est censé passer! Pourquoi tu veux pas? Ah bah non, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Par où faudrait aller? Attendez, je vais aller juste sous la trappe, comme ça je vous laisse un suspense de ouf! Parce que je suis sûr que là, vous l'attendez le prochain épisode avec cet épisode-là. Je suis sûr! Je le sais! Je connais les volontés du public. Je sais que c'est la réponse D, la volonté du public. Ok, cette blague n'était pas drôle. Cette blague est dépassée. Cette blague est nulle. Cette blague est vieille. Mais quand même. Cette blague, je crois qu'elle date de quand j'avais 10 ans. En plus de ça, j'ai envie de vous faire. Mais c'est pas la même salle en plus! Mais qui. Quoi? Mais. Pourquoi? Pourquoi mettre un trap comme ça? Pourquoi c'est pas la même salle?
pas la même salle. Bande d'enculés. Ce seront mes mots pour terminer. Je déteste ces niveaux. Je déteste l'eau. Je déteste tout. Ces niveaux sont les niveaux que je déteste le plus dans ce Tomb Raider, alors que c'est mon jeu préféré. Oui. Oui, c'est mon jeu préféré. Oui, je joue bien mon jeu préféré, mais je déteste les niveaux avec de l'eau. Et c'est comme ça. C'est tout. Ces niveaux ne veulent pas de moi et je ne veux pas de ces niveaux. Bref. Ceci étant dit, les amis, ce fut quand même un épisode où nous avons fait des choses. Nous avons découvert ce nouveau niveau. Et au final, laissez-moi voir combien de temps on aura joué dans ce niveau. Voilà. Nous avons fait un épisode de 35 minutes. Où nous avons passé la moitié du temps à mourir, du coup. Hein, c'est à peu près ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.